Lucie, on a de l'eau? Non, tiens. Non, de l'eau. Vas-y, j'ai trop soif. Je cherchais de l'eau. Mais il est où? Mais tu fais quoi là exactement? Je potabilise de l'eau. Avec ton t-shirt. Mais tu vas pas boire cette eau quand même? Aussi. Oui, c'est technique dans Man vs Wild. Tu trempes ton t-shirt dans l'eau et tu peux boire l'eau qui passe à travers. Parce que les microbes sont bloqués par les mailles du tissu. T'es au courant que la moitié des plantes sont complètement bidons dans cette émission? Ton t-shirt entier, c'est un microbe, et tu relargues beaucoup plus de bactéries que tu n'en retiens. Ah, mais y a pas que des microbes, en fait, dans l'eau. Y a les micro-organismes, mais aussi des métaux, des sels minéraux, des polluants organiques. Ça fait beaucoup, ça. Du coup, pour être sûr de filtrer nos microbes, il faut des pores de minimum 4 micromètres. Et comment on fabrique un filtre avec des trous si petits? Je te l'ai dit, retourne boire une bière. C'est quoi? C'est des membranes de micro et ultrafiltration. Si? Ça fonctionne pas? Je pense que tes pores ils sont trop petits. L'eau elle a forcément du mal à passer à travers. Comment je fais? Genre avec de la pression? Prends un piston ou une seringue. Et je trouve ça où? Aïe! Ok, donc je devrais pouvoir filtrer mon eau avec cette seringue. Ça y est, j'ai de l'eau filtrée. C'était facile en fait. T'as réussi à enlever les micro-organismes, mais pas le reste aux tailles inférieures. Il faudrait pouvoir analyser l'eau. Avec quoi? Une machine pour analyser l'eau? Non mais, vous allez trop loin. Vous vous rendez compte qu'analyser l'eau c'est compliqué? Elle demande plusieurs méthodes et machines. Et ça va pas tomber du ciel hein. En revanche, je vous propose de vous réexpliquer les fondamentaux sur les membranes. Allez, venez. Oh! Tout d'abord, par définition, une membrane est une barrière sélective entre deux milieux qui, lors du passage d'un mélange de composés, retient un ou plusieurs de ces composés. D'accord? Oui, okay. Mais suivant la nature du mélange, de ses composés et de leur taille, différentes membranes existent. Il y a par exemple la microfiltration, celle que vous avez utilisée, mais aussi la nanofiltration, l'ultrafiltration, ou encore l'osmose inverse. Par contre, la force motrice nécessaire au passage d'un flux est d'autant plus importante que les pores de la membrane sont petits. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu besoin d'un piston. Ok. Pour des procédés de dessalement de l'eau de mer. Des membranes pour dessaler de l'eau de mer? Et ça fonctionne? Tellement bien qu'il faut reminéraliser l'eau à sa sortie afin de la rendre potable. Stylé. Stylé. Mais cela recouvre aussi d'autres domaines, tels que la pharmaceutique ou l'agroalimentaire. Aussi la transformation du lait, la clarification des jus de fruits ou de l'alcool requiert des étapes de filtration. Par exemple, les brasseurs de bière. Justement, en parlant de bière. D'ailleurs, ouais. Il faut absolument que je vous montre. J'ai des petits pilotes de filtration, pas piqués des hannetons. Venez voir. C'était trop long. Tellement. Mais j'ai toujours pas mon eau. Ah non.
Bon, y a de l'eau dans la bière, tu sais, ça hydrate. Hein. C'est vrai? Ouais. Allez. Ouais. On trinque? À quoi? Une membrane. J'ai faim. On a un truc à manger? Non, rien. Je vais chasser.